okay, genau. Die Heinrich-Böll-Stiftung, das ÖNZ und Amnesty International Deutschland heißen Sie recht herzlich willkommen. Durch den Abend wird Sandrine Planchon führen. Sie ist Redakteurin für Francophones Afrika bei der Deutschen Welle. Und wir freuen uns auch sehr, dass Micheline Mwendike zu uns gefunden hat und freuen uns auf das Gespräch. Genau, nach der Veranstaltung gibt es noch Brezeln und Getränke, also fühlen Sie sich eingeladen und ich übergebe direkt an Sandrine. Bonsoir, donc je commence tout de suite en français, si ça vous va? Oui. Oui. Donc d'abord, viens Micheline. Donc on va parler ensemble ce soir avec Micheline Mwendike de la Lucha, qui est un mouvement citoyen dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est un réseau de jeunes qui essaient de faire prendre conscience à leurs concitoyens de l'importance de l'engagement politique, mais aussi social dans divers domaines. Ça peut parler de l'assainissement aussi, il y avait des campagnes pour avoir de l'eau, de la participation à la vie politique et sociale. Et donc on aura beaucoup, beaucoup de questions à votre endroit, Micheline, mais je crois que tout d'abord vous vouliez nous dire un mot sur une petite vidéo qu'on va regarder. Merci beaucoup. Je m'appelle Micheline, comme elle a dit, et on va commencer par une petite vidéo d'une action de la Lucha que la Lucha avait fait juste après la prise. Il y avait la guerre, il y avait un mouvement rebelle qui s'appelle Mouvement du 23 mars, qui avait assiégé ma ville, la ville de Goma. Et c'était une déception parce que ma ville, le Congo, c'est là où il y a la plus grande mission des Nations Unies. Et il y avait beaucoup de militaires, mais quand ce mouvement rebelle est arrivé, il a su déguerpir tous ces gens-là. Et donc c'était comme nous tous, nous sommes trahis, nous tous qui aspirons à la non-violence, nous sommes trahis et que la violence a vraiment gagné dans ma ville. Et quand ce mouvement, après 20 jours qu'on était assiégés, ces groupes rebelles qui s'appellent M23 s'étaient retirés de la ville. Et nous avons organisé une manifestation pour dire que nous avons été trahis, pour dire que le ministre de la Justice devait répondre, disons, de la sécurité devait répondre de ses actes, pour dire que l'ONU se moque de nous, disons, et c'est un peu. Donc c'était dans un climat où vraiment on était, bon, vous allez un peu le voir. Peut-être un petit mot, juste la Lucha, donc c'est la lutte pour le changement, et le réseau a été constitué il y a 3 ans. Et a essaimé un petit peu partout dans différentes villes de la République démocratique du Congo et mène des actions telles que celles qu'on va voir. Merci.
Alors, quand on m'a demandé de dire un mot pour présenter ce qu'était la lucha, la lutte pour le changement, je me suis demandé en fait comment j'allais l'appeler. Parce que, est-ce que c'est une association à but non lucratif? Est-ce que c'est un réseau de citoyens? Qu'est-ce que le statut de la lucha exactement? La lucha, c'est un mouvement des Congolais. Nous nous disons, pour être un bon citoyen, pour agir pour son pays, on n'a pas besoin d'un statut, on n'a pas besoin d'un règlement d'ordre intérieur. Nous avons déjà une constitution à respecter, nous avons déjà la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous connaissons, nous sommes des jeunes qui venons de la guerre, nous savons ce que ça s'appelle la violence. Donc il y a beaucoup de principes que notre société nous a appris. Et qu'il y a beaucoup d'organisations chez moi, il y a beaucoup des organisations qui ont des statuts et qu'on ne trouve pas qu'ils changent vraiment la situation. Et donc, ce n'est pas avoir un statut juridique qui changera le Congo. Le Congo changera quand chaque Congolais prendra cette responsabilité de dire « moi, je donne ma position, moi, je donne ma part au Congo ». C'est un peu ça... les statuts de la lucha, c'est un mouvement des citoyens. Et si, en fait, si je pose la question, c'est que les relations avec les autorités sont extrêmement tendues. Et ces derniers jours, le maire de Goma a réclamé la cessation des activités de la lucha, son interdiction. Alors, est-ce que la lucha existe encore? Et où est-ce qu'elle est effectivement interdite, suspendue, anticonstitutionnelle? Oui, les relations sont tendues parce qu'ils sont tendues. On vous reproche une incitation à la violence, on vous reproche pour certains des militants qui ont été arrêtés au mois de mars, on en reparlera tout à l'heure, de fomenter des complots visant à déstabiliser l'État. Oui. Qu'en est-il? En fait, je pense que ce sont les autorités congolaises qui ont des comportements très tendus, qui sont très paranoïaques et qui tirent sur tout ce qui bouge. Ce n'est pas nous, nous sommes non-violents. Vous avez peut-être vu dans la vidéo où nous essayons de dire nous sommes non-violents, vous avez vu qu'il a fait sortir un papier pour montrer la signature que nous avons demandé, nous avons écrit à la mairie avant d'organiser notre manifestation. Donc nous respectons la Constitution, nous respectons les lois du pays, mais les autorités ne respectent pas, ne font pas leur part. Nous, nous faisons notre part en tant que citoyens, ils ne font pas leur part en tant qu'autorités. Les manifestations, cette manifestation-là n'avait pas été violemment réprimée. C'est parmi, il y a beaucoup de manifestations qu'on fait qui ne sont pas aussi réprimées. Pas parce qu'ils ne veulent pas le réprimer, mais parce que nous avons toute une stratégie, parce que nous travaillons à ce qu'ils ne nous répriment pas. Nous ne voulons pas qu'ils nous répriment, au fait. Et le maire, la première question que j'ai dit, que nous agissons parce que nous sommes des citoyens congolais. Et personne ne va nous ôter cette nationalité congolaise, tout simplement parce que nous avons demandé nos droits. Et la Constitution du Congo garantit la liberté d'expression, de manifestation? La Constitution du Congo garantit la liberté d'expression, garantit la liberté des manifestations. Quand cela ne sont pas violents. Un maire de la ville, la manière dont il a, parce qu'on y retourne, la manière dont il a affirmé que la lucha ne devrait plus faire des activités, c'était une manière anticonstitutionnelle, au fait. Peut-être il faut expliquer pourquoi il a décidé ça. Au fait, pour la petite histoire, c'est qu'il y a des massacres à Beni, qui est un territoire de ma province, dans le nord Kivu. Et ça fait une année qu'il y a toujours des massacres. Donc il y a des groupes armés qui sont présents. L'armée congolaise est déployée dans la région. Elle est appuyée par la mission de l'ONU, la MONUSCO, pour lutter contre ces groupes armés. Mais les violences continuent et les civils en pâtissent. Exactement. Et il y a un groupe armé qui s'appelle les ADF Nalu, qui était un groupe armé qui se battait en Ouganda. Au fait, c'est un groupe qui a deux origines ougandaises. Et ils sont en majorité islamistes aussi. Et il y a ces massacres qui se font et des gens disent il n'y a pas eu d'enquête pour savoir qui tue les gens, au fait, à Beni. Et nous, on trouve que le gouvernement ne fait pas assez pour arrêter ces massacres, pour faire des enquêtes et pour protéger les populations. Mais nous, en tant que citoyens, on ne peut plus se protéger.
parce que on a vu ce que les groupes, beaucoup de groupes armés qui sont au Congo ne sont pas là parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils veulent s'auto-protéger aussi en, comme communauté, comme tribu. Mais nous, on a refusé la violence sous toutes ses formes. Du coup, nous avons dit tout ce que nous pouvons faire comme citoyens, c'est de faire hommage à toutes ces personnes qui meurent chaque jour depuis octobre de l'année passée à Beni. Et nous avons organisé une cérémonie d'hommage. Nous sommes passés à la mairie pour faire pour faire tout ce que la Constitution nous demande de faire. Et on a organisé ça dans un quartier populaire à Goma, à Majengo, pour ceux qui connaissent le milieu. Et parce qu'ils savaient où ça va être, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus parce que c'est quelque chose qui nous touche, qui touche notre profond intérieur et que c'était l'unique moyen aux gens aussi d'affirmer nous voulons aussi faire quelque chose pour notre pays. Alors, on avait allumé un grand feu et que tout le monde, chaque personne qui se reconnaissait dans nos actions devait amener un morceau de bois comme ça, l'effet devait être grand, comme ça, quand ça va finir, on a fini la manifestation. La police est venue. Elle a tiré avec des grenades lacrymogènes d'abord, et puis ensuite elle a tiré à balles réelles. Il y a une petite fille de 8 ans qui a été blessée actuellement, et elle est à l'hôpital. Et on a arrêté 12 personnes en vrac parmi les gens qui manifestaient. Et disons, c'était même pas manifesté, parmi les gens qui étaient des paisibles, des citoyens, enfin, qui étaient réunis là-bas. Et parmi ces 12 personnes, il y avait 4 mineurs qui ont été libérés après 4 jours. Et quand on dit un mineur en prison au Congo, c'est-à-dire que vous avez détruit un avenir. Parce que ce qui se font dans les prisons, ce n'est pas au moins à donner aux enfants, non. Ce n'est pas à montrer aux enfants. Et donc, ils ont fait 4 jours là-bas. Ils ont été libérés et maintenant 9 autres personnes sont encore à prison jusque maintenant. Et nous, comme Lucha, notre stratégie, c'est toujours d'approcher les autorités. Une délégation de la Lucha est partie pour voir le maire de la ville et dire, il y a nos militants qui sont en prison, ils n'ont rien fait. Regardez, nous sommes passés chez vous pour demander les autorisations et tout. Et le maire, et nous avons aussi lancé une campagne pour envoyer des SMS au maire de la ville pour lui dire de libérer ces gens. Et en séance tenante, il recevait des SMS qui s'est énervé en pleine séance et qu'il a fait une très menace très très lourde en disant « Nous allons vous massacrer, vous tous, les gens de la Lucha, un à un, et vos gens qui vous appuient de partout, ils ne vont rien dire, ils ne vont rien faire. » Et ça, c'était un choc pour nous. Les militants sont sortis de là sans repère de vie. Après, il a publié un communiqué pour dire « Nous interdisons toutes les manifestations du mouvement Lucha. » C'est que donc c'est ça un peu le contexte dans lequel cette communiqué a été fait. Mais un maire de la ville n'agit pas pour interdire avec un communiqué. Il doit faire un arrêté, il doit passer par des procédures juridiques et pas dire il dort, il se réveille, il fait un communiqué. C'est pas comme ça que ça s'est fait. Donc nous avons fait une déclaration pour faire tout pour donner les articles de la Constitution et un peu lui dire ce qu'il devrait faire vraiment s'il voulait nous. Bon. Nous sommes dans une école de la démocratie et nous apportons ce que nous pouvons comme connaissance aussi aux autorités. C'est un processus. On espère que prochainement, peut-être qu'il ne va pas refaire la même erreur. Et, bon. Et donc, pour nous, un communiqué ne peut pas interdire à quelqu'un d'agir selon sa citoyenneté. Alors, ce qu'il faut peut-être aussi préciser pour les gens qui connaîtraient mal le Congo et la RDC telle qu'elle est aujourd'hui, normalement, l'année prochaine, il doit y avoir des élections. Le mandat du président actuel, Joseph Kabila, arrive à terme en décembre 2016. Et donc, le calendrier électoral a été invalidé récemment par la Cour constitutionnelle. Donc, on attend le nouveau. Mais les élections présidentielles et législatives devraient avoir lieu à l'automne 2016. Et une partie de la société civile et de l'opposition craint que le président ne joue le glissement, comme on dit au Congo, c'est-à-dire qu'il essaie de retarder les échéances pour se maintenir plus longuement au pouvoir et donc retarder la tenue des élections. Est-ce que dans ce contexte-là, vous avez l'impression qu'il y a une plus grande fébrilité aussi du côté des autorités ? Comme j'ai dit avant, avec les préparatifs des élections, ils voient que les échéances, les jours sont en train de courir trop vite
et qu'ils sont devenus paranoïaques, c'est ça le mot, c'est-à-dire quelqu'un qui a une peur qui te fait faire quelque chose sans pour autant beaucoup réfléchir, sans pour autant une stratégie. Du coup, on arrête tout et rien. Par exemple, Fred et Yves, qui sont en prison aujourd'hui. Ça, ce sont deux militants de la Lucha qui ont été arrêtés au mois de mars dernier à Kinshasa, après une réunion avec d'autres groupes de jeunes venus d'autres pays. Exactement, c'était une conférence. Ils ont fait une série de conférences dans les universités. C'était comme un partage aussi entre les jeunes africains à Kinshasa. Et les services de renseignement sont venus. Ils ont pris presque tous les participants. Et on s'est préparé au fait à faire un concert ensemble parce que, comme vous le savez, les Congolais, on est bien dans la musique et les Sénégalais aussi, et les Burkinabés, on aime bien danser et chanter ensemble. Donc, on était en train de préparer un concert pour finir leur séjour à Kinshasa, mais aussi pour mobiliser la population sur la citoyenneté en Afrique et le rôle de la jeunesse et la démocratie. Un mot peut-être, les Sénégalais et les Burkinabés qui étaient là, donc c'était des militants de Yanamar du Sénégal, du Ballet Citoyen au Burkina Faso, qui sont des mouvements de jeunesse qui ont, dans leur pays, manifesté aussi aux abords des élections présidentielles pour amener ou réclamer une alternance démocratique. Exactement. Et cela a été interprété au Congo comme si on nous enseignait aussi à chasser notre président du pouvoir. Mais bon, ce n'est pas à nous de chasser notre président du pouvoir. La Constitution est là, la Constitution est claire. On ne devrait même pas se préoccuper de cette question en principe. La Constitution stipule que Joseph Kabila ne peut pas se représenter l'année prochaine. Exactement. Donc la Constitution dit que... Il a déjà fait ses demandes, il donne deux mandats au président de la République démocratique du Congo et qu'il n'a plus la possibilité de pouvoir... et que l'article pour qu'il puisse avoir un autre mandat, cet article est verrouillé. Donc le premier processus, c'était de déverrouiller l'article qui verrouille au fait le mandat du chef de l'État. Et la deuxième procédure, c'est qu'il puisse avoir cette chance-là. Mais dans l'autre cas, il veut aussi... Si ce premier processus ne marche pas, créer un chaos total dans les pays et dire qu'on a beaucoup de choses à faire et entretenir un chaos pour dire on a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de problèmes, on ne peut pas organiser des élections, comme ça il va devenir un président à vie. C'est que nous, on n'accepte pas. Et on ne l'accepte pas parce qu'on veut le pouvoir, parce que la lucha, c'est un mouvement apolitique. On ne se bat pas pour avoir le pouvoir. Nous, on se bat parce qu'on est des citoyens congolais. On ne va même pas avoir postulé pour avoir des sièges ni au Parlement, ni à l'Assemblée provinciale, ni aux élections locales. On est un mouvement en dehors, un mouvement de la société civile. On reviendra à la grande politique peut-être tout à l'heure, mais la Lucha a donc plusieurs domaines d'action, de sensibilisation, des jeunes notamment. Qu'est-ce que vous menez concrètement auprès de vos concitoyens comme action dans les domaines plus sociaux du quotidien ? Je veux retourner un peu dans l'histoire de la Lucha. C'est que la première analyse que nous avons faite, c'était que le problème du Congo n'est pas un problème du Congo. C'est un système, non ? Et que chaque personne agit pour que ce système vit. Et que ce système se nourrit de nous tous, au fait, de l'indifférence de la communauté internationale ou parfois de ses solutions faciles. Il choisit des solutions les plus faciles à faire ou encore des organisations internationales qui n'interviennent que dans les conséquences de la crise. Et quand ils font parler des causes de la crise, tout le monde ne veut pas se faire des problèmes avec des autorités. Et du coup... Et la population qui est là et qui doit se battre chaque jour pour avoir un pain quotidien. Et du coup, c'était un système où vraiment chaque personne jouait son rôle. Et que notre première analyse, c'était est-ce qu'on peut créer un autre... Parce que si on ne peut pas agir dans ce système-là. Parce que d'ailleurs, quand tu approches les ONG et que tu leur dises « Nous pensons que vous pouvez changer des stratégies », non, ils n'étaient pas capables à l'époque de penser autrement. Maintenant, de plus en plus, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut penser autrement parce qu'on a déjà influencé pas mal de décisions au niveau local, au niveau international aussi. Et donc,
pour revenir à la question de du champ d'action, du champ d'action de la lucha, nous pensons que les problèmes du Congo ne sont pas des problèmes aussi compliqués. C'est les problèmes que le citoyen n'a pas de l'eau chez lui, que le citoyen n'a pas l'électricité, qu'il n'y a pas de route, que le système d'éducation est en train de se détruire et qu'il s'est déjà détruit davantage que beaucoup d'intellectuels sont mal formés, que les gens n'ont pas la sécurité dans leur maison. Ça, ce sont les problèmes du Congolais. Les problèmes du Congolais ne sont pas dans la superstructure seulement, ils sont vraiment chaque jour, à chaque quotidien. Et c'est ça que nous avons pris comme champ d'action. Nous avons travaillé beaucoup, nous avons fait une très grande campagne sur Goma veut de l'eau, une campagne pour dire nous voulons, il faut qu'il y ait de l'eau dans les maisons des personnes parce que c'est anormal que les gens n'ont pas d'eau chez eux d'une ville, pour ne prendre que la ville de Goma, qui est au bord du lac. Et que nous avons fait une recherche, nous sommes allés au service public pour demander pourquoi les gens n'ont pas de l'eau. Nous avons fait beaucoup de campagnes sur ça et à la fin, nous avons découvert que c'était un problème de gouvernance. Parce que le gouvernement ne renouvelle pas l'infrastructure. Parce que le gouvernement ne met pas ce problème de l'eau sur son budget annuel. Et donc, ces problèmes-là doivent être résolus comme tels. Hein? Et chaque personne doit donner, disons, nous comme mouvement Lucha, ce n'est pas un problème politique. Après, on est parti avec beaucoup de discussions avec le gouverneur, beaucoup de discussions avec le maire des villes, avec beaucoup de bailleurs des fonds aussi, parce que ça aussi, ce n'est pas qu'ils sont, ils sont très prêts à... C'est beaucoup d'argent qui circule dans les secteurs humanitaires et qu'ils ne sont pas prêts à changer de stratégie seulement parce qu'on leur avait dit que leur stratégie ne va pas aboutir. Donc, bon. Et donc, et parfois, des problèmes sociaux nous ont amenés à des rencontres politiques. Donc, nous avons beaucoup travaillé pour la construction de routes à Goma. Et aujourd'hui, pour ce qui a été à Goma il y a 10 ans ou il y a 5 ans, il y a beaucoup de routes qui sont en train d'être construites. On remarque davantage qu'on remet sur le budget national, sur les urgences au niveau de la province, les routes. Une question que beaucoup d'organisations n'avaient jamais soulevée avant, bien que tout le monde marchait sur ces routes-là qui n'existaient presque pas, disons. On préférait acheter des 4x4. Toutes les organisations ont des grosses voitures, tous les politiciens ont des grosses voitures qui peuvent supporter des grosses pierres, des grands trous pour répondre à la question des routes. Bon, mais les citoyens ordinaires avaient besoin d'une solution un peu plus profonde. Et quand on est entré pour chercher la solution, on s'est buté effectivement à des discours politiques. Parce que bon, c'est ça, en fait, parce que c'est un problème de gouvernance. Ce qu'il faut dire aussi, peut-être, c'est que la région et le pays en général sont potentiellement riches. Il y a d'énormes gisements de ressources naturelles, de terres rares dont on a besoin pour construire, par exemple, le matériel informatique, les téléphones portables, de l'or. Et donc, parmi, si j'ai bien compris, les raisons de votre colère, c'est de voir, c'est une terre fertile aussi, c'est de voir qu'il y a une redistribution qui ne se fait pas jusque pour profiter jusqu'aux populations locales. Oui, et plus mal encore que c'est entretenu. C'est entretenu, comme je dis, dans ce système où chacun joue son rôle et qu'on entretient une tranquillité apparente. Hein? C'est qu'il faut se parler d'une certaine manière, il faut toucher le problème d'une certaine manière, du coup on ne change rien, on tourne à rond sur des demi-solutions, sur des demi-propositions, sur des demi-discours. Disons, ça fait 10 ans qu'on est dans ces systèmes-là. Nous les jeunes, on se bat pour une paix qu'on ne connaît pas et qu'on est aujourd'hui on est en train de définir qu'est-ce que ça signifie la paix. Ben, on voit beaucoup d'organisations qui viennent, oui, on doit chanter pour la paix, on chante. On doit danser pour la paix, on danse. La paix, c'est un comportement, on ne comprend pas, mais bon on comprend. Mais en réalité, dans l'essence, on ne voit pas les gens qui disent quelles sont les causes profondes de la crise au Congo et comment est-ce qu'on peut les aborder. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a le festival Amani pour la paix, organisé par la première dame du Congo, qui a lieu aussi régulièrement à Goma.
Oui, il y a un festival très, très, très médiatisé et qui est très bien parce que c'est aussi un espace d'expression. Nous, on ne dit pas que tout doit s'arrêter et que tout le monde devait faire autre chose. Mais nous pensons que le festival, par exemple, on amène il y a une fois, des musiciens du Rwanda sont venus chanter au Congo et ça, c'est quelque chose de bien parce qu'on a des relations très, très tendues avec le Rwanda. Le pays voisin du Congo, et que on a vu des militaires rwandais venir être des militaires congolais. Hein. Et ça, ce sont des humiliations que nous avons vécues, et que ce ne sont pas des choses que, après, tu dis, bon, ça va. Avec l'éducation qu'on peut avoir, avec cette histoire-là, on comprend le rôle de la politique dans tout ça, comment on manipule la fibre identitaire pour que les gens se battent sur le terrain. On a vu ça, on le voit, on a vu ça. Et ce n'est pas qu'on va dire, non, il ne faut plus de festivals parce qu'on a besoin de la paix, on a besoin. Mais il faut bien qu'il puisse y avoir des festivals qui aient une activité très intéressante, où d'ailleurs, nous, au sein de la Lucha, nous avons aussi pris un stand pour mobiliser des gens à dire, définissons la paix que nous recherchons. Mettons-nous au travail pour avoir la paix que nous avons et que nous contribuons. Fred Bauma, qui est aujourd'hui en prison, était le responsable du village humanitaire du festival à Mani, et qu'aujourd'hui, bon, il est en prison malgré tout ce travail pour la paix qu'il a fait. Mais à part ça, on ne peut pas s'arrêter à chanter, à danser, à crier, à dialoguer. On doit toucher les causes profondes. Et dans les solutions, il y a la réforme du secteur de sécurité au Congo et que tout le monde ne veut pas aborder cette question parce que on n'a pas d'armée au Congo et que tout le monde qui a une arme, il vient, il tire sur tout le monde. On ne sait pas comment le gérer après. Et quand c'est un chaos, tous les États disent c'est compliqué la situation au Congo, on ne sait pas comment s'affirmer. Mais si on veut que le Congo puisse avoir une armée qui va la défendre dans 10 ans, il faut qu'on puisse y travailler aujourd'hui et pas juste laisser pourrir la situation. Mais il y a une armée. Elle est présente aussi dans votre région, les FARDC, avec la mission de l'ONU. Oui, ça s'appelle les forces armées de la République démocratique du Congo. Les forces armées, c'est comment je peux les définir? C'est un consortium des forces, des anciens rebelles, des ex-FAS, parce qu'on avait l'armée, les forces armées du Zaïre, et aussi on les a intégrées dans l'armée avec des processus qui n'arrivent jamais à leur bout. Et donc, on a des ex-FAS au sein de l'armée. On a des militaires qui sont venus des rébellions au sein de l'armée. Et parfois, ils continuent à respecter leur hiérarchie, bien qu'ils font partie de ces forces armées. Et puis, on a aussi les Nations Unies qui n'a jamais de position quand il faut, oui ou non, attaquer ou ne pas attaquer. Alors maintenant, le mandat de la MONUSCO est plus robuste, donc elle peut davantage participer aux actions. Il y a la brigade d'intervention aussi contre les FDLR, donc il y a quand même des actions militaires qui sont menées aussi contre tous les groupes rebelles qui perdurent dans la région. Et si on compte les nombres des rebelles, et si on compte le nombre des militaires des Nations Unies, le nombre des FARDC, le nombre de la police sec, de toute la surmilitarisation de ma région, il y a une différence énorme entre les deux. Il y a un problème de coordination de toutes ces forces-là. Il y a un problème de priorité entre ces forces-là. Certaines pensent que ce sont les FDLR qui sont le problème. Ce sont des rebelles venus du Rwanda. Oui, des FDLR sont des rebelles qui ont une évolution de ceux qui ont fui le Rwanda et qui sont maintenant au Congo. Il y a ceux qui pensent que ce sont des rebelles auto-rwandais qui sont la priorité à combattre. Il y a des autres qui pensent que ce sont des groupes armés. Il y a ceux qui pensent que c'est la sécurisation des villes qui est plus importante. Avec ça, on n'aura pas la paix, même dans 20 ans, s'ils continuent à faire ça. Et ils font cette discussion depuis qu'ils sont venus. Et nous, en tant que peuple, on a des raisons de s'énerver de la MONUSCO. Quand les gens ils sont fâchés et qu'ils brûlent les chars de la MONUSCO parce qu'ils voient des grands chars passer et
quand un rebelle, un mouvement rebelle, évidemment, ce mouvement que j'appelle le mouvement du 23 mars était appuyé par le Rwanda, quand il a attaqué la région est du pays et qu'ils sont arrivés jusqu'à prendre une grande ville comme la ville de Goma qui a 1 million d'habitants, une ville qui était pleine de militaires FARDC, qui était pleine de casques bleus de la MONUSCO, qui avait des mandats, comme tu viens de dire, des mandats de défense au moins. Il y a vraiment assez de questions à se poser sur qu'est-ce que tous ces militaires, toutes ces armes qui nous terrorisent, à les voir tout le temps, signifient au fait pour nous. Et au quotidien, quand on habite à Goma, à quoi ça ressemble quand on élève des enfants, par exemple? C'est des enfants qui seront confrontés un jour à la violence dans la rue, qui, peut-être en grandissant, encourent le risque d'être recrutés par des groupes armés comme enfants soldats ou d'être enlevés. Comment est-ce que ça se transmet, ça, dans les familles ou par le biais de mouvements citoyens, de rassemblements? Qu'est-ce qu'on dit aux enfants pour les préparer à ça? D'abord, il n'y a pas une stratégie de dire qu'est-ce qu'on dit aux enfants pour les préparer à ça. Donc, chaque enfant, il se bat et il grandira comme il grandira, il sera ce qu'il sera. Il n'y a pas une éducation à la paix formelle. À l'école, on n'en parle pas? À l'école, il n'y a pas une éducation, il n'y a pas un cours d'éducation à la paix, par exemple. Et une autre chose, c'est que on a déjà vu beaucoup de choses. Hein, et on porte ces choses avec nous. On a déjà vu des injustices. Si je peux juste faire un exemple, par exemple, moi, je ne voulais pas voir des cadavres. Je n'aime pas voir les cadavres. Et qu'un jour, tu te réveilles et que tu rencontres qu'il y a un cadavre devant ta maison parce qu'il y a eu une guerre, que tu ne sais pas la cause, tu ne sais pas ce que ça signifie. Tu ne sais même pas quel impact ça a sur toi-même. Et, disons, sur la considération de la vie sur toi. Qu'est-ce que ça signifie, l'homme? Non, quand tu vois, ce n'est pas un cadavre qui est tombé par un problème, mais quelqu'un a tiré sur lui, tu vois du sang. Et ces enfants-là, il n'y a aucune stratégie pour les accompagner. Et bon, après, les parents, ils peuvent leur dire il ne faut pas être violent, ce n'est pas bon la violence. Parce que quand même, par exemple, à Goma, au moins au sein de la lucha, si nous avons choisi la violence, c'est pas parce que Gandhi a fait de la non. Si nous avons choisi la non-violence, c'est pas parce que Gandhi et Martin Luther King ont fait de la non-violence chez eux. Mais c'est parce que nous connaissons le mal de la violence. La violence, c'est le mal en soi. Hein, c'est la substance qui est mal. Donc de la violence, on peut pas attendre du bien, parce que quand il y a un mal, on peut pas attendre du mal un bien. Hein, donc et la violence, c'est parmi ces choses qui sont du mal en soi, non? Et que dans ma région, ça fait 20 ans, nous sommes de la génération qui n'a jamais connu la paix. J'étais réfugiée, moi, à 13 ans. Et disons, tu fuis parce qu'il y a la guerre chez toi, tu rencontres des cadavres sur la route, on te parle que l'autre, il n'est pas ton frère, il est ton ennemi, ou même quand on ne te parle pas. Tu vois quand même que quand il y a la guerre, disons, quand il y a des conflits interethniques, tu remarques que les autres, quand ils fouillent de l'autre région. Et quand vous fouillez de l'autre région, disons, parce qu'on va toujours vers son village, là où on a des parents, là où on a une autre maison peut-être. Et quand vous allez revenir, on remarque toujours cette méfiance-là. Et je ne peux pas dire, l'impact que ça a et que ça aura dans 10 ans. Mais je peux dire que la violence est un mal en soi. Et qu'on a intérêt au moins à travailler. Si au moins on est la génération de sacrifiés, nous, les jeunes d'aujourd'hui, on a intérêt à travailler pour les générations futures. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la paix, pour vous, qui ne la connaissez pas? La paix... qu'est-ce que vous vous représentez? À quoi est-ce que vous pourriez reconnaître que la paix est là? La paix, en soi... c'est une conséquence de beaucoup de choses. La paix, ça ne dépend pas d'une seule chose. La paix, c'est la fin de la guerre, d'abord. Donc, la paix comme se protéger de mourir d'une guerre. Et que nous sommes en guerre au Congo. Et que, tout le fois, par exemple, quand nous voyons la guerre arriver dans un milieu du monde, on dit,
bienvenue dans la terreur. On ne voudrait pas que vous venez de franchir. Parce que quand la guerre arrive dans un milieu, on comprend ce que ça signifie pour eux. Parfois, les gens ne comprennent pas. Moi, par exemple, quand je voyais les décisions de certains États d'aller attaquer certains autres États, je me dis, ils le mettent vraiment dans une situation désagréable, non? Bien que ça peut avoir toutes les justifications que vous voulez. Donc, la paix, c'est d'abord l'absence de la guerre. La paix, c'est la sécurité, c'est pas avoir peur de l'autre. Parce qu'il y a des situations où, quand l'autre il passe, tu trembles, parce que tu ne sais pas, tu as peur de l'autre. Tu as vraiment peur de l'autre. Je parlais récemment à quelqu'un qui habite aussi à Goma, qui me disait que tous les soirs, quand il part du travail, il appelle sa femme pour lui dire « J'arrive dans 20 minutes, ouvre la porte quand je suis là. » Et referme-la bien vite quand je suis rentrée. Et pour qu'elle sache qu'il va être là à telle heure, que c'est bien lui qui frappe, et que si quelqu'un vient trop tôt ou trop tard, c'est pas lui. C'est une réalité, ça, vraiment, des habitants Oui, on a peur tout le temps. Tu es sur la route, et qu'est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, et que tu vois quelqu'un venir de l'autre côté, tu peux même faire marche arrière et courir sans que personne ne te crie dessus, parce qu'on a peur. Bien qu'on peut dire qu'il n'y a pas de groupe armé dans ces villages-là ou dans cette ville-là, tant que les gens vont avoir peur de tout, de d'autres personnes, quand les gens... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la paix quand ils vont avoir peur de l'autre. La paix, c'est aussi l'assurance que demain va être un beau jour. Parce que parfois, on dort et qu'on dit... Il y a une expression en swahili qui dit aujourd'hui aujourd'hui vient de passer, tant mieux. Hein? Il y a Leo et Mepita, non, c'est ça un peu. Aujourd'hui vient de finir. On ne sait pas ce que ça va être demain. Hein? Bien que cette personne peut ne pas avoir, hein, tu imagines ce sentiment-là de dire chaque soir aujourd'hui vient de finir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la paix, non? Et donc la paix, notre paix que nous luttons. Pour n'a pas une définition, une seule définition, mais c'est une conséquence de beaucoup de choses qui doivent être faites. Quand nous saurons, par exemple, que nous avons une armée au Congo, une armée républicaine, une armée qui n'est pas en train de travailler pour quelqu'un qui est au pouvoir, parce que ça aussi, c'est un problème que des gens qui ont au pouvoir, ils utilisent l'armée pour tuer des gens, pour se protéger. Par exemple, en 2011, on a vu que l'armée, en 2011, quand il y a eu des élections, pour protéger le stade ou donc protéger des lieux où il y avait des militants de l'autre parti, des partis de l'UDPS. Principal parti d'opposition. Oui, des partis de l'UDPS étaient en train de réclamer qu'ils voulaient que les élections n'étaient pas passées dans de bonnes conditions. Et qu'on voit que l'armée, pas la police, l'armée intervient dans ce genre de débats. On a vraiment beaucoup, beaucoup de justifications à avoir peur de cette armée-là qui travaille pour une partie des politiciens et pas pour une autre. Et justement, là, avec la campagne électorale qui s'annonce, bien qu'on ne connaisse pas encore la date des élections, mais ça va arriver, donc les meetings vont se multiplier. Quel rôle vous comptez jouer, vous, dans cette campagne? Oui, c'est... Vous, Lucha. Exactement, merci beaucoup. Nous, notre objectif depuis longtemps, pas seulement en cadre des élections, c'est de travailler sur la citoyenneté responsable. Nous pensons que chaque personne doit devenir un bon citoyen et qu'il doit connaître ses droits, il doit connaître ses devoirs et qu'il doit les affirmer. C'est-à-dire quand quelqu'un les viole, il doit dire que quelqu'un a violé mon droit et je pense que j'ai le droit de dire que quelqu'un doit me remettre mon droit, non? Mon droit, je voulais dire. Et c'est ça, c'est ce travail que nous faisons. Donc, pendant les élections, nous continuerons à former la population pour qu'elle puisse s'assumer, pour qu'elle puisse dire, considérer d'abord des élections comme une opportunité de prendre le pouvoir ou de donner le pouvoir à quelqu'un. Les élections, ce n'est pas tout simplement un processus de légitimisation des institutions. Parce qu'au Congo, on a une démocratie, c'est un pays démocratique, parce qu'on a des institutions démocratiques. Jusque maintenant, le président de la République
bon, on peut dire tout ce qui s'est passé entre-temps avec les élections de 2011, mais c'est un président qui a été élu au suffrage universel. On a des assemblées provinciales, on a les trois pouvoirs traditionnels, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Nous avons ça, nous avons toutes ces institutions, mais on n'a pas la démocratie. Parce que le peuple ne peut pas, n'a pas la liberté d'expression. Parce que on a le pouvoir de ces, parce que la justice est manipulée par l'exécutif, par le législatif et contrôlée par l'exécutif. Donc, et pour qu'on puisse arriver à un système où c'est la personne qui s'affirme, où c'est la personne qui a le pouvoir et pas seulement les uns au-dessus des autres, il faut que la personne puisse être formée pour ça. Il faut que des citoyens congolais aient conscience de leur propre pouvoir. Et ça, c'est le travail que nous faisons. Si aujourd'hui, je peux vous parler comme militante de la lucha, en parlant des questions politiques, une femme congolaise militante de la lucha qui intervient, qui a une position sur des choses politiques du Congo, ce n'est pas parce que je suis politicien, mais c'est parce que je suis passée par une éducation de la lucha. Non, c'est parce qu'on m'a transmis. On m'a transmis des connaissances, disant tu es une citoyenne, tu dois dire ce que tu penses, tu as le droit de les dire dans certains, avec un certain nombre de conditions. Donc nous continuons à l'éducation du peuple. Donc là vous venez de dire un mot assez important, je pense. Je suis une femme congolaise. C'est quoi est-ce qu'il y a une différence parmi les jeunes, notamment, auxquels vous vous adressez, entre les garçons et les filles? Sur la vidéo, on a vu surtout des garçons manifester. J'étais là aussi. Et vous? Mais est-ce qu'il y a un engagement équivalent des filles et des garçons? Il y a encore des disparités dans l'accès à l'éducation, à l'école, aux études supérieures de toute façon. Est-ce qu'il y a un travail supplémentaire vis-à-vis des femmes ou des jeunes femmes, des futures femmes? Oui, notre société est patriarcale et donc c'est l'homme qui compte. On a le nom de son père, on a la tribu de son père au moins pour une grande partie. On a la langue de son père comme sa propre langue. C'est une société complètement patriarcale. Et patriarcale, je peux dire des hommes, parce que les pères sont tous au moins masculins. Souvent. Ici aussi, d'ailleurs. Oui. Et donc, pour préserver la famille, pour que le nom de la famille puisse avoir un grand sens, il faut vraiment que l'homme puisse, l'homme a une considération supplémentaire, parce que c'est lui qui va transmettre le nom de la famille après, non? Je ne l'appelle pas seulement une je n'appelle pas ça une antivaleur, ça fait partie de notre culture. Mais c'est que le problème se pose, c'est quand il y a des injustices au niveau aussi institutionnel, parce que bon, porter le nom de son père ou porter le nom de sa mère, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Non? Et d'ailleurs, mon père m'a donné le nom de ma grand-mère aussi. Donc, c'est pas un problème. Je vois quelqu'un bouger la tête. Donc, pour moi, c'est très important de souligner qu'il y a une injustice en défaveur de la femme et que l'éducation aux femmes n'est pas comme un droit autant qu'il l'est pour les hommes. On préfère éduquer un homme. Si on a vraiment le choix, on en a à choisir entre un homme et une femme, on préfère choisir un homme. Aussi parce que, comme la culture est patriarcale, on a gardé ça comme un effet d'injustice, au fait. Hein? Et que, pour justifier des intérêts égoïstes aussi, on dit, oh, parce que je suis un homme, alors moi, je dois étudier et toi, tu ne dois pas étudier. Au sein de la lucha, nous, on ne considère pas que les femmes ou les hommes doivent être considérés différemment. Nous pensons que nous tous, nous sommes égaux les uns envers les autres. Mais parce que les hommes ont beaucoup d'insuffisance en matière de citoyenneté. Si la société congolaise est en train de s'autodétruire, c'est pas parce que les femmes sont politiciennes, mais parce que les hommes sont en train de faire la politique trop, trop, trop mal. Et que ils ont besoin de beaucoup d'éducation pour ça aussi, autant que les femmes d'ailleurs, non?
Et je pense que beaucoup de femmes n'interviennent pas en politique, pas parce qu'elles ne s'intéressent pas en politique, mais parce que la femme, quand elle va intervenir en politique, elle cherche des capacités pour en avoir. Et que les hommes interviennent en politique, parfois sans des capacités, et ils détruisent les systèmes congolais. Donc, malheureusement, c'est ça notre réalité. Et j'ai dit, en tant qu'une femme, beaucoup d'hommes me considèrent inférieure, tout simplement parce que je suis une femme. Et que je n'ai même pas droit à l'erreur, parce que si j'ai fait une erreur, ce n'est pas parce que c'est une ignorance, mais c'est parce que je suis une femme que j'ai fait une erreur. Et donc, je dois travailler doublement pour ne pas faire des erreurs, parce que je ne vais pas faire d'erreur parce que je suis une femme. J'ai aussi droit à l'erreur, au moins, disons. Hein. Et donc... Pour tout ce travail d'émancipation et cette recherche de la paix, le renforcement de la citoyenneté, qu'est-ce que vous attendez aussi de l'extérieur? Vous êtes ici en Allemagne, vous vous adressez en partie à des Allemands. Qu'est-ce que vous espérez de la part de la communauté internationale, des Nations Unies peut-être, qui d'ailleurs s'est prononcée il y a 2 jours sur la restriction du champ démocratique en République démocratique du Congo, le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Qu'est-ce que vous attendez des non-congolais pour aider le Congo et la population congolaise? Premièrement, il faut d'abord avoir dans la tête que le changement du Congo viendra de l'intérieur du Congo. Et ça doit être une idée et des Congolais et des non-Congolais. Que quelqu'un ne va pas amener le changement au Congo. Qu'il n'y aura pas un sauveur qui viendra sauver le Congo et les Congolais. Et ça, c'est d'abord la première chose, que de comprendre ça. La seconde chose, c'est que la responsabilité... Aujourd'hui, nous sommes condamnés à être bons. Nous sommes Congolais. Moi, je suis fière de ma nationalité. Je suis fière de mon pays. J'aime mon pays peut-être plus que n'importe qui. Mais nous sommes condamnés à vivre dans une situation très grave, pas parce que nous avons été mauvais, mais parce que nous subissons une histoire des hommes. Parce que toute la lignée avant, les hommes se sont tués à l'époque de la colonisation. Ils ont appuyé la dictature. Ils n'ont pas pris de bonnes décisions pour ou contre des guerres qui ont eu lieu dans mon pays. Et aujourd'hui, je suis obligée, je suis née dans un contexte où je ne connais pas d'où est venu ces malheurs que je suis en train de vivre. Donc, la responsabilité n'est pas seulement à moi qui suis congolaise aujourd'hui, mais c'est au moins à tous, nous tous qui sommes sur cette planète, parce que, en fait, nous subissons cette réalité. Le silence de ce qui ont été là il y a 10 ans, 20 ans, 100 ans, et ils ont été aussi de votre pays. Ils ont des personnes qui ont soutenu la dictature. Ils ont été aussi de vos pays. Et aujourd'hui, c'est nous qui payons le prix de tout ça. Nous, les Congolais. Et il y a parfois des gens qui disent « Ah, vous n'êtes pas intelligents. Nous, on est intelligents. » C'est qu'il y a eu une déclaration tout simplement idiote. Et moi, je pense que la responsabilité est partagée à ce sens. Nous savons que la solution viendra de l'intérieur du Congo, c'est-à-dire que nous nous portons comme acteur principal dans cette lutte pour l'avènement de la démocratie, l'avènement du développement de mon pays. Et le rôle, par exemple, des États, beaucoup d'États, surtout des États européens, ont peur de pouvoir avoir la position par rapport aux problèmes congolais. Ils ne veulent rien dire. Du coup, ils entretiennent aussi une confusion. Vous êtes pour ou contre les élections? Oui, nous sommes pour les élections. Hein? Ça, c'est clairement. Et comment vous expliquez cette peur? C'est des raisons économiques? Avant d'expliquer la peur, mais bon, par exemple, vous avez des questions des élections, comme je disais, vous êtes pour, oui, nous sommes pour des élections. Mais bon, vous voyez, par exemple, que le président de la République, il est en train d'échanger la Constitution et qu'il est en train de nous tirer dessus quand on est en train de lui dire qu'il ne doit pas changer la Constitution. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas avoir une position. Comme ça, nous ne pouvons pas nous affirmer pour dire à votre président qu'il est en train d'être plus répressif. Et que, bon, on va attendre peut-être la situation du Burundi où le chaos est déjà bien instauré. On ne sait pas si on soutient ce gouvernement ou si on ne le soutient pas. Et c'est peut-être ça que les États attendent pour un chaos de ce genre, pour se rendre compte qu'ils devraient s'affirmer un peu plus tôt.
Et moi, je pense que je veux établir un peu quelques actions que des individus ou des gouvernements peuvent faire à l'étranger. D'abord, la communauté internationale doit être plus claire. Qu'est-ce que la communauté internationale? Quand on dit la position de la communauté internationale, c'est quoi la communauté internationale? Moi qui viens de Goma, une ville qui a plus de 500 expatriés qui viennent pour travailler pour la communauté internationale et qu'ils ont tous des positions diverses sur les questions et que tous ne peuvent pas affirmer leurs positions diverses parce qu'il faut toujours garder un consensus qui n'existe pas au lieu de donner des divergences. Donc, il faut d'abord que la communauté internationale puisse clarifier ses positions et dire ses positions. Et que, par exemple, l'ONU, qui est au moins ça, c'est quand même un peu plus clair que la communauté internationale. L'ONU doit condamner toutes les violations de droits de l'homme qui doivent s'exercer. Et pas seulement attendre qu'une violation devienne plus médiatique pour en parler. Il y a eu un rapport, là, publié mardi, par l'expert des Nations Unies, chargé des droits de l'homme à Kinshasa, et en coopération avec le Haut Commissariat. Donc, ils suivent. Oui, ils publient des rapports. Il y a eu le rapport Mapping en 2010, un rapport dans lequel c'est écrit « tel chef militaire a fait tel crime ». Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de suivi de toutes ces grandes déclarations. Et quand on attend toujours... c'est bien de publier des rapports, mais il n'y aura pas de paix sans justice. Non? Quand on voit nos oppresseurs d'un matin et d'une nuit devenir nos propres dirigeants, des gens qui ont massacré hier et qu'aujourd'hui ils s'affirment comme dirigeants parce qu'il y a eu des accords de paix quelque part, et que c'est fini, donc on doit vivre avec cette frustration toute la vie, ça ce n'est pas, et que l'ONU ne dit rien parce que on doit garder la paix, et que bon, quand les jeunes sont frustrés et qu'ils vont se battre dans les groupes armés, c'est eux qui deviennent mauvais. Et quand l'ONU, elle, ne donne pas sa position pour la justice au Congo, dans les cadres des sanctions, dans les cadres et aussi la déclaration, ce n'est pas. Il y a beaucoup de choses qui sont connues au Congo et qui ne sont pas dites pour des raisons stratégiques. Et beaucoup des exactions sont commises et qui ne sont pas dites pour des raisons stratégiques. Alors là, vous avez parlé des dirigeants politiques, de l'ONU, des États. Il y a les associations, les ONG de défense des droits de l'homme. Amnesty International co-organise cette soirée. Il y a des actions. D'ailleurs, il y a une action de soutien aux deux militants qui ont été de la Lucha, qui ont été arrêtés au mois de mars, qui a été initiée par Amnesty International pour écrire aux autorités du Congo pour réclamer leur libération et une transparence sur les procédures juridiques, pour aussi leur écrire à eux directement. Vous pourrez d'ailleurs y participer en sortant de cette salle si vous souhaitez écrire directement aux autorités congolaises ou aux prisonniers. Ce soutien-là, quand même, des ONG qui mobilisent aussi les opinions publiques à l'extérieur du Congo, j'imagine que c'est un soutien qui est important dans votre action aussi, ou pas du tout? Face à la grandeur du mal congolais, on ne veut pas demander des grandes actions, parce que des grandes actions sont beaucoup de petites actions. Il n'y a pas une grande action, parce que le mal congolais n'a pas été un grand mal. Il est jusqu'aujourd'hui beaucoup de petits mal qui vous instaurent un grand mal que vous savez même plus définir. Et donc, la solution aussi viendra de beaucoup de choses qui sont bonnes. Beaucoup des actes bons nous font beaucoup avancer. Aujourd'hui, par exemple, des militants de la Lucha sont en prison. Comment ils mangent? Comment ils vivent? On a 11 personnes qui sont en prison. Il y a 9 personnes qui ont été arrêtées par ce que j'ai expliqué avant. Il y a 2 personnes à la prison Munzenze. Pour ceux qui le connaissent, c'est une prison qui a été construite pour 300 personnes qui habitent 1500 personnes. Toutes les toilettes de cette prison sont bouchées et ce sont des prisonniers qui ne payent pas un certain droit qui doivent les déboucher. Et mes amis ont fait ça pendant 2 jours. Des corvées au sein de la prison. Et pour que c'est, il faut dénoncer ça et il faut transmettre ces informations. Il faut dire aussi peut-être qu'on réclame de l'argent pour donner droit de visite, pour qu'ils aient droit aussi à consommer la nourriture qu'on leur apporte parce qu'elle n'est pas fournie par la prison.
Exactement. Donc, les soins. Il faut dénoncer tout ça, mais aussi il faut dénoncer d'abord tous ces problèmes-là. Et quand on a une information, on dit bon, ça ce n'est pas parce que maintenant qu'on prépare les élections, tout ce qui n'est pas comme élection n'est pas comme information à diffuser par beaucoup de médias. Donc, on choisit beaucoup d'informations, on filtre beaucoup l'information au Congo et pas seulement au Congo d'ailleurs, et dans beaucoup de pays. Et une autre chose, c'est que nous avons beaucoup des actions de citoyenneté responsable et qu'on a besoin des experts de temps en temps, mais nous, on n'a pas l'argent pour payer des experts, pour qu'ils viennent pour former, par exemple, un groupe de travail, des jeunes. Les jeunes ont aussi besoin de se rencontrer avec des jeunes du monde entier. Le Congo n'est pas un pays isolé. Le monde n'est plus isolé, d'ailleurs. Maintenant. Vous faites des campagnes aussi sur les réseaux sociaux. Nous faisons beaucoup. Ça a révolutionné votre façon de communiquer entre vous et avec le monde. Nous faisons en plus beaucoup de campagnes que nous faisons en ligne ne sont pas vraiment à être consommées par les Congolais parce que le niveau de l'Internet au Congo est trop bas. Il y en a bien sûr dans quelques villes où ça marche, mais c'est avec l'étranger qu'on a beaucoup de soutien en ce sens-là. Vous avez lancé aussi des pétitions à signer en ligne, vous avez reçu des soutiens d'intellectuels du monde entier pour obtenir aussi la libération de vos camarades militants emprisonnés. Donc il y a quand même une information qui circule, une mobilisation. On parle de vous ici, ce soir, à Berlin. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas toujours encore vraiment très suffisant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne sortent pas du Congo et que quand il n'y a pas un média allemand qui n'a pas encore écrit sur ça, les personnes en Allemagne ne peuvent pas lire sur ça, non? Parce que les Allemands écoutent trop peu la Deutsche Welle en français, sans doute. Par exemple, donc il faut que les choses puissent changer dans le monde, il faut que les citoyens deviennent des citoyens du monde. Il faut pas toujours qu'on attende que cette réalité ait un impact sur nous pour qu'on puisse dire ah ça commence à nous toucher, ça commence à devenir un problème. C'est un problème même quand ça ne nous touche pas. Et moi, je pense que ça, c'est très important. Et il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui peuvent être faites. Et on peut donner beaucoup, beaucoup d'exemples à faire, à dire. Mais bon, ça vient toujours chaque situation avec son contexte, non? Ce n'est pas qu'il y a des actions traditionnelles qu'il faut faire, mais chaque situation vient avec son contexte. Donc on finit quand même sur une note d'espoir. Si la communication au moins circule de plus en plus, peut-être que cette prise de conscience s'accélère au Congo, à Goma, mais aussi à l'extérieur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une chose qui est très importante, c'est l'espoir. Quand il n'y a pas l'espoir, il n'y a pas la vie. Quand les gens sont sans espoir, ils sont presque des animaux, non? Parce que ils sont trop instinctifs, au fait. Parce que l'espoir, c'est ce qui enclenche que tu peux voir l'avenir d'une autre manière et que tu peux travailler pour l'avenir. Donc, il y a beaucoup d'espoir pour le Congo. Si aujourd'hui, il y a des militants en prison, ce n'est pas seulement un signe qui doit nous faire mal, mais ça doit montrer qu'il y a des gens qui affirment leur position. Si aujourd'hui, on voit qu'il y a une multiplicité de répressions de manifestations, ce n'est pas tout simplement parce que le gouvernement était très bon il y a une année. Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, les gens manifestent de plus, donc il y a beaucoup plus de répressions. Et donc, il y a beaucoup d'espoir pour le futur. Nous sommes dans un processus de démocratie. Nous sommes dans un processus positif, au fait. Nous espérons que la démocratie que nous rêvons, des élections vont avoir lieu et que nous y travaillons beaucoup en tant que mouvement Lucha et en tant que citoyens congolais et que nous espérons que ça va aboutir parce que si on n'a pas l'espoir, pourquoi est-ce qu'on va sacrifier sa vie pour ça de toute façon? Micheline Mwendike, on avait beaucoup de choses à dire en très très peu de temps, donc c'était déjà une première approche de la RDC, des multiples combats de la Lucha. Je vous remercie pour avoir répondu à toutes ces questions. Là, peut-être qu'il y a des questions maintenant dans le public de gens qui voudraient parler d'aspects qu'on n'a pas abordés encore ou...
devant. Tout d'abord, mon nom c'est Indongo Impanda. Je viens de la République démocratique du Congo. J'ai une page internet sur le Congo, www.congo-kinshasa.de. À travers cette page internet, et ceux qui ont eu l'occasion de lire cette semaine, ils ont été informés sur ce qui se passe maintenant sur le combat entre le maire de Goma et la Lucha. Et j'informe depuis 15 ans, en langue allemande, bien entendu. Un coup d'œil à ma sœur Mwendike. Si c'était au pays, j'allais l'appeler ma fille, mais droit de femme. un coup d'œil, le patriarcat et le matriarcat n'existent pas dans tout le Congo. Il y a seulement dans certaines sociétés, etc. Et dans ce domaine-là, dans ce cadre-là, je voulais vous rappeler que sous Mobutu, il y avait beaucoup de femmes qui avaient occupé des postes politiques importants. Ça, c'était seulement pour information. Madame, une question aussi, je crois. Oui, je viens à la question. Après, je voudrais préciser quelque chose. Par exemple, vous avez parlé, Madame Blanchard a parlé de la coopération entre la MONUSCO et les forces armées de la République du Congo. Cette coopération a été suspendue il y a longtemps, depuis que... Oui, qu'il y a eu des tensions récemment entre la MONUSCO et les autorités congolaises. Parce qu'on a constaté que dans la force, donc, dans l'unité qui devait coopérer avec la MONUSCO dans la poursuite de FLRR ou des groupes armés, il y avait deux généraux à qui on reprochait des violations les graves exactions. Des droits de l'homme. Bon, ça, c'était seulement pour la précision. Pour question... J'ai tellement beaucoup de questions, mais peut-être on va parler en aparté. Vous avez dit que la Lucha est apolitique. Et votre combat n'est pas apolitique, elle est aussi politique. Alors, le maire de Bukavu, de Goma, pardon, vous reproche de ne pas avoir des statuts juridiques, des personnalités juridiques. Bien que le Congo soit un État déstructuré, un État failli, ne serait-il pas possible que vous essayiez quand même de vous conformer à cette couverture, à ce cadre juridique, pour essayer d'éviter à l'avenir que le maire de Goma, et je vous cite ici librement, se réveille le matin et il décide à travers un communiqué que la Lucha et ses supporters n'ont plus le droit de manifester à Goma. La toute dernière question, le reste on va poser après. Quelle est la position exacte de la Lucha par rapport aux partis politiques, toutes tendances confondues, qui sont en sellette, qui sont sur la sellette au Congo? C'est les deux questions. Merci beaucoup. Tu peux toujours m'appeler ta fille. Ce n'est pas parce qu'on est en Allemagne qu'on n'a plus, une culture, non? Et tu veux dire que tu as fait un commentaire, mais avant de répondre à la question, je veux aussi un commentaire sur le commentaire que tu as fait sur qu'il y a eu beaucoup de femmes à l'époque de Mobutu. Et il y a jusque-là encore, on a une loi qui dit que les femmes doivent être 40% au Parlement et les hommes 60% au Parlement. C'est d'abord que ce n'est pas respecté. Mais aussi le niveau d'éducation, parce qu'on privilégie toujours les hommes, le niveau d'éducation de la femme est très, très, très bas. Donc, quand on met la femme sur la scène politique comme ça, sans une préparation à l'avance, parfois ce n'est pas seulement pour l'objectif de promouvoir la femme, non? Et que parfois on cherche tout simplement à arriver à un certain nombre d'indicateurs. Il y a beaucoup de femmes qui sont des décors politiques dans mon pays. C'est regrettable, mais c'est une vérité malheureusement, non? Et que ces femmes n'ont pas de position politique parce qu'elles ne comprennent absolument rien de cette histoire, mais parce qu'on a dit qu'il faut, et des hommes d'ailleurs aussi, mais parce qu'on a dit qu'il faut arriver à avoir 10% dans un gouvernement et qu'on met quelqu'un. Beaucoup de ministres aussi n'ont pas beaucoup de position aussi parce qu'ils ne comprennent rien. Et beaucoup de femmes aussi n'ont pas de position parce qu'elles ne comprennent rien. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu quelques femmes dans le gouvernement de Mobutu que vous allez dire que les femmes ont aussi détruit le système. Non, mais parce que mais je pense que c'est parce que ce n'est pas seulement une affaire homme-femme. Le combat n'est pas homme-femme. On ne peut pas
l'analyser en ce sens du genre, non? Et il faut l'analyser sur tous ces aspects, sur le niveau de corruption. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, on remarque que les femmes corrompent moins que les hommes, parce que si elles sont d'abord moins nombreuses, mais aussi les femmes ont une certaine capacité émotionnelle très, très, très grande. Du coup, quand elles savent que la chose va se savoir à l'extérieur, elles réagissent pour se protéger. Je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de communautés matriarcales, beaucoup de tribus matriarcales, mais la majorité est quand même encore patriarcale. Et sur la personnalité juridique, mais pourquoi on ne peut pas exploiter une autre partie de la Constitution? Pourquoi est-ce qu'on doit seulement exploiter une partie de la Constitution qui dit qu'on doit avoir les statuts juridiques et ne pas exploiter l'autre partie de la Constitution qui dit qu'on a la liberté d'association comme citoyen congolais? Nous avons exploité la Constitution et on n'est pas obligé tout simplement de dire parce qu'on a toujours pensé d'une certaine manière et donc on doit agir de cette manière-là. Donc, c'est juste ça. Et la position exacte par rapport aux partis politiques, toutes tendances confondues, ça c'est quand même une très grande question, hein. Je ne sais pas par où commencer. Je vais d'abord donner une petite critique de la politique comme parti politique au Congo. On a plus de 400 partis politiques. Si on comptait seulement le nombre de partis politiques, on est très 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 démocratique parce qu'on en a plus de 400. Donc, ça c'est d'une manière globale. Mais vous savez vous-même qu'il y a beaucoup de partis politiques qui existent, mais en même temps qui n'existent pas. C'est un contraste parce qu'on scinde, à l'approche des élections, surtout de 2011, il y a beaucoup de partis politiques qui sont nés parce qu'on voulait tout simplement qu'il y ait la majorité après au Parlement, non? Et du coup, on prend un leader d'une certaine région, on influence qu'il passe comme député national, comme député provincial, et que parce qu'après, il va être un parti de la majorité qui va soutenir le président de la République après. Une autre partie, c'est que les partis politiques aussi changent de l'opposition vers la majorité, de la majorité vers l'opposition, sans qu'on ne comprenne pas exactement les motifs et les motivations. Et quand il va y avoir un dialogue, par exemple, on voit certains partis quitter l'opposition pour aller du camp de la majorité parce qu'on va faire un gouvernement d'union nationale et donc on peut profiter d'un ministère. Et donc, il y a toute une dynamique au fait au sein des partis politiques où, et c'est pour cette raison que la Lucha n'a pas décidé d'être un parti politique, parce qu'on peut aussi exploiter cette partie de la Constitution, non? Et donc, nous avons voulu d'être un mouvement, parce que la Constitution congolaise nous donne ce droit-là d'agir comme des citoyens. Nous avons la liberté d'expression et la liberté d'association. On n'est pas un parti politique et on n'est pas une ONG, mais on est accepté par notre propre Constitution. Et que la Constitution est plus forte que toutes les idées que nous pouvons avoir, non? Et nous donne déjà beaucoup de possibilités et il faut les accepter comme ça. Parlant toujours des partis politiques, je pense qu'aujourd'hui, une autre analyse qui est faite, c'est qu'on doit aboutir aux élections maintenant. Nous devons nous préparer pour des élections bientôt en 2016. Et les partis politiques auront un rôle très grand à jouer. Nous formons les citoyens. Nous formons les citoyens congolais. Et quand les citoyens congolais sont bien formés, je ne pense pas que les partis politiques vont avoir une conséquence négative de cette situation. Je pense qu'en fin de compte, tout le monde va en profiter. Et ça nous aide aussi à garder notre pouvoir en tant que peuple parce qu'on ne se bat pas pour le même objectif. Nous nous battons pour le pays, il y a ceux qui se battent pour le pouvoir, il y a ceux qui se battent pour l'économie. Nous nous battons pour le pays, nous nous battons pour le peuple. Et donc, il faut juste faire la différence et que nous sommes, tout le monde qui voudra se battre pour le pays, nous sommes prêts à l'approcher. Mais nous allons continuer à garder notre identité de citoyen, notre identité de mouvement Lucha. Mais on peut, quand quelqu'un, qu'il soit ONG, qu'il soit politicien, qu'il soit Nations Unies, s'il commette une injustice, on les dénoncera. Et on fait ça une action comme ce que vous avez vu là-bas pour le faire changer d'avis.
Ou aussi, une autre chose, c'est que nous ne sommes pas des ennemis du pouvoir. Ça, c'est bien peut-être de le dire, c'est que beaucoup des relations qui sont développées au Congo sont des relations amis-ennemis. Il n'y a pas de relation entre Congolais et dire « nous avons besoin, par exemple, des élections en 2016, qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir des élections en 2016 ?» Mais c'est toujours aller de chercher pour qui tu es, contre qui tu es, non? Et ça, ce sont des choses que nous devons apporter notre propre débat politique à un niveau supérieur qu'on est aujourd'hui. Donc, c'est un processus et les partis politiques, je pense, ils apprennent aussi beaucoup de nous et que nous aussi, nous apprenons aussi beaucoup d'eux et que nous donnons le maximum de ce que nous pouvons avoir comme potentiel de citoyens congolais. Une autre question peut-être dans le public? Oui. Die Fragen können natürlich auch auf Deutsch gestellt werden. Ja. Ah, bonsoir et merci pour votre présentation déjà. J'ai juste une petite question parce que vous mentionniez donc le fait que la communauté internationale prenait pas souvent position, même quand ils avaient des informations. Moi, ce qui m'inquiète presque plus, c'est les cas où il y a des prises de position et qu'il n'y a aucun suivi ou qu'il ne se passe rien derrière. Et je crois savoir que dans votre cas, enfin dans le cas de vos collègues qui ont été arrêtés, il y a eu une communication au groupe de travail sur la détention arbitraire qui a pris une décision, enfin pas une décision, mais qui a fait une recommandation très ferme en fait, à vos autorités, déclarant que la détention était arbitraire et demandant qu'il y ait une mise en liberté immédiate. Sauf erreur, c'était au mois d'août où ça date depuis un certain temps. Est-ce qu'il y a des suites qui ont été données à cette prise de position? Et si ce n'est pas le cas, enfin, qu'est-ce qui peut être fait après justement une telle prise de position pour que ça serve à quelque chose? Parce que c'est aussi un peu, enfin, j'imagine que c'est extrêmement frustrant d'arriver à obtenir pour une fois justement une prise de position d'un organe des Nations Unies et d'avoir aucun suivi. Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec les institutions congolaises. Il y a beaucoup de problèmes de leadership. On ne sait pas, est-ce qu'on s'adresse à l'exécutif? Par exemple, pour les cas, comme vous venez de citer, le cas de Fred et Yves qui sont en prison, on sait bien que c'est un problème politique. Non, on sait qu'ils sont des prisonniers politiques parce qu'au fait, ils ont parlé de la situation des élections qui sont en prison. Mais moi, je pense, ici, nous sommes très reconnaissants par rapport à tout ce qui s'est fait comme soutien médiatique, comme soutien des Nations Unies par rapport à leur cas. Et nous étions très, très contents parce qu'après, il y a eu beaucoup de promesses aussi au niveau du pays pour dire oui, ils vont être libérés très bientôt, très bientôt. Mais parfois, quand il y a une déclaration, il s'accompagne d'un silence et qu'il n'y a pas une relation très fluide entre les systèmes des Nations Unies et les institutions. Hein. Et que ça n'aide pas, au fait, la situation au Congo. Et une autre chose, c'est que le fait que les Nations Unies attendent qu'il y ait des tensions pour agir, par exemple, aujourd'hui, on peut empêcher qu'il y ait des tensions demain. Si aujourd'hui, par exemple, les Nations Unies... si aujourd'hui, nous voulons, par exemple, qu'il y ait un Congo plus beau dans 2 ans, en ce sens que nous voulons, par exemple, que des maires de ville... Aujourd'hui, le maire de la... Il n'y a pas longtemps, il a fait une déclaration, il a fait une très grande déclaration et la communauté internationale, les Nations Unies n'ont rien dit. Ils attendent jusqu'à ce qu'on va, à la dernière minute, ils vont peut-être demander quelque chose, ils vont peut-être donner une très grande position, mais le cas sera déjà arrivé à un certain niveau, parce qu'il y a aussi un problème d'orgueil, non? Parce qu'on est un État et qu'on ne veut pas se faire dicter par les Nations Unies. Du coup, quand les Nations Unies donnent aussi une position, en attendant seulement qu'on arrive à la dernière minute, quand tout le monde a déjà fait les grandes déclarations, on a déjà développé un conflit entre les Nations Unies et le pays, et que, bon, ils font la déclaration, nous l'appelons comme une colonisation, comme notre ministre a toujours l'habitude de le dire, et que
Et que d'ailleurs, les Nations Unies n'usent pas de tout son pouvoir pour dire, nous, vous avez, parce que le président de la République a déjà promis beaucoup de fois qu'on va libérer Fred et Yves au moins. Hein. Et malgré qu'il a libéré, il n'y a pas beaucoup de suivi après. Hein. Il y a comme un grand silence qui s'est fait. Après, on va attendre encore une année pour faire une publication de rapport. Après, on va encore attendre pour faire une autre publication après. Mais dire qu'il y a vraiment une relation de personne à personne et pas seulement d'institution à institution, et ça n'existe pas, ce n'est pas encore développé. En fait, c'est... Je peux avouer que c'est très difficile pour moi de dire maintenant les Nations Unies doivent faire A, B, C, D. Et comme je dis toujours, chaque chose doit être adaptée à un contexte. Mais moi, je suis sûre que si les gens se mettent ensemble, qu'ils réfléchissent profondément sur cette question, on peut aboutir à une certaine libération. Mais si on s'arrête aux déclarations et aux réponses, on n'aboutira jamais. On pourra peut-être aboutir, mais ça va être plus difficile que si on développerait des possibilités de relations, pas d'institution à institution seulement, mais de personne à personne aussi. J'imagine que quelqu'un qui a lu sur la lucha avant et la personne qui a participé aujourd'hui ont une compréhension différente, parce que maintenant, c'est une relation de personne à personne. Quelqu'un qui a lu, c'est une relation avec l'intermédiaire, évidemment, des choses importantes comme l'Internet et tout, mais il faut développer aussi ça. Et que d'ailleurs, une chose qui est grave, c'est que la communauté internationale sanctionne moins. On continue à inviter le Congo dans toutes les grandes plateformes internationales. Et que les présidents se présentent là-bas et les ministres continuent toujours à être invités là-bas. Bon, il fait parfois un peu le double jeu. Donc, ils disent pour satisfaire aux défenseurs des droits de l'homme, parfois ils font des déclarations parce qu'ils disent oui, nous faisons beaucoup de travail. Mais de l'autre côté, ils continuent aussi à les soutenir, à les inviter et à aborder cette question-là sans pour autant dire la position qu'ils ont dit devant les médias il y a quelques temps. Donc, je pense qu'il faut foncer au fait. Il faut foncer, il ne faut pas arrêter et dire on a déjà fait le maximum des choses qu'on peut faire. Il faut foncer, il faut toujours faire plus, parce que nos dictateurs, si je peux les appeler comme ça, bien qu'il a été élu, et ils font plus, en fait. Tout le temps, ils font plus que ce qu'on attend qu'ils vont faire, non? On ne pourrait pas imaginer qu'ils vont emprisonner encore des militants de la lucha, mais ils l'ont fait. On ne pourrait pas imaginer qu'ils vont garder les personnes 9 mois en prison, qu'ils n'aient rien fait, vraiment rien, parce qu'on les a arrêtés pendant une conférence de presse. On ne pourrait pas imaginer, mais ils l'ont fait. Ils foncent, mais l'autre partie plus positive ne fonce pas. Il a toujours, je ne sais pas s'il faut dire ça des peurs ou je peux dire ça des diplomaties. Et il y a aussi beaucoup d'intérêt et des contrôles de la région parce que quelqu'un qui... c'est pas facile d'isoler une région comme le Congo. On est au centre de l'Afrique, on a 9 voisins. Contrôler le Congo, c'est contrôler toute la région des Grands Lacs. Donc, on ne veut pas perdre la relation qu'on a avec les institutions congolaises parce qu'il y a quelqu'un en prison. Donc, d'une part, on satisfait... Il y a vraiment de la duplicité. D'une part, on satisfait les défenseurs des droits de l'homme en faisant une déclaration. Mais d'autre part, on n'applique pas vraiment des vraies sanctions quand il faut parler de politique, parce qu'on veut garder le contrôle sur la région. Encore le temps, je regarde. Ah, décidément, je n'ai pas de chance. C'est moi qui les éteins, en fait, peut-être. Oui, non, ça y est, merci. Encore une autre question, peut-être. Une dernière, une courte, une brève. Oui, ici. Merci. D'abord, merci beaucoup pour toutes ces informations et aussi de parler assez ouverte. Je pense que c'est impressionnant. Alors, merci pour ça. Et j'ai une question concernant, vous avez fait référence beaucoup à la constitution du Congo. Et est-ce que vous, la lucha, vous voulez aussi le changer de quelque part, par exemple concernant l'armée, le statut de l'armée ou quelque chose comme ça, ou pensez-vous plutôt que la constitution en ce moment, c'est la meilleure constitution du Congo? Merci. Une réponse courte, Micheline.
D'abord, la constitution a été changée en 2011, avant les élections de 2011. On est allé de l'article qui disait qu'on doit avoir deux tours des élections et que maintenant, on a un seul tour aux élections. Et nous, on veut qu'on puisse retourner aux deux tours des élections, par exemple. Donc, la constitution congolaise n'est pas une constitution parfaite, mais elle est une référence. Et qu'on ne doit pas changer notre référence de tous les temps, parce qu'on va perdre les repères de notre propre lutte. Et la Constitution ne se change pas parce que, tout simplement, on veut protéger des intérêts politiques. La Constitution, c'est quelque chose de très important pour un pays, que ce n'est pas seulement avant les élections qu'on doit parler du discours sur les changements de la Constitution. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses positives qu'on peut améliorer sur notre Constitution, mais il ne faut pas seulement attendre qu'on soit à quelques minutes des élections, au début du processus électoral, pour dire on change la Constitution. Donc, moi, je pense que la Constitution congolaise, comme d'ailleurs beaucoup de constitutions du monde, n'est pas une constitution parfaite, c'est une œuvre humaine, mais elle ne doit pas être changée pour prolonger le mandat du chef de l'État actuellement. Elle doit pas, parce qu'on a besoin de conserver des références pour notre pays. Elle ne doit pas être changée maintenant elle doit donner les cadres juridiques aux élections, parce qu'il y a beaucoup, ce n'est pas seulement un article de changement sur le mandat du président de la République. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres articles sur les élections qui sont dans la Constitution. Ils ne doivent pas être changés actuellement, parce qu'il faut donner un cadre juridique aux constitutions. Il faut stabiliser aussi le processus. Le processus ne doit pas toujours changer de carte toutes les fois. On ne doit pas toujours changer les règles du jeu toutes les fois qu'on veut recommencer les jeux. Non, à un certain moment, il faut stabiliser les choses et aboutir à... Et puis, on doit être capable d'être d'accord sur certains points. Avec, bon, nous, au moins, au sein de la lucha, on n'est pas d'accord avec le gouvernement sur beaucoup de points, sur beaucoup, beaucoup de points. Mais jamais on n'a pas dit que nous, on va devenir le gouvernement. Non. Nous disons toujours que vous devez améliorer ceci, vous devez améliorer cela, vous devez améliorer cela. Et donc, ce n'est pas toujours des changements. Il faut d'abord améliorer ce qui existe avant de les changer, non? Donc, c'est ça un peu. Je crains qu'on n'ait plus beaucoup de temps pour une autre question, à moins qu'elle soit vraiment très, 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 très pressante. Mais peut-être que les gens dans le public auront eu envie aussi de s'intéresser encore plus à la République démocratique du Congo, au combat de la lucha, et de signer les appels, les lettres lancées par Amnesty International notamment, en soutien aux militants qui sont actuellement emprisonnés. Je crois que c'est possible sur un stand à la sortie, si vous voulez dire un mot là-dessus ou... Geht es, wenn ich jetzt auf Deutsch spreche? Können dann andersrum? Gut. Ja, also die Briefkampagne, an der Sie sich beteiligen können, wird von Amnesty International jährlich durchgeführt, zugunsten von verhafteten Aktivisten, für die oftmals bereits lange in Gefängnissen waren, und richten sich direkt an Autoritäten. Und jedes Jahr können wir auch sehen, dass tatsächlich die Tatsache, dass viele, viele Hunderttausende von Menschen weltweit sich einsetzen und Tonnen von Briefen eingehen bei den betroffenen Autoritäten, einen Unterschied machen und Menschen befreit werden, die seit vielen Jahren sich in Haft befanden. Also deswegen möchte ich Sie ermutigen, direkt, wenn Sie rausgehen, auf der linken Seite, können Sie Briefe unterschreiben oder Sie können eben auch an die Betroffenen selber Solidaritätsbriefe schreiben. Mir wurde gerade noch aufgetragen zu sagen, dass die Brezeln und Getränke unten zu finden sind. Also Sie müssen die Treppe runtergehen. Das heißt, der Weg wäre erst links die Briefe nehmen und... Und dann die Treppe runter. Und Sie können natürlich auch gern mehrere Briefe mitnehmen, wenn Sie noch Familienmitglieder zu Hause haben, die vielleicht auch gerne einschreiben möchten. Ja, vielen Dank. Et pour ceux qui auraient besoin d'une raison supplémentaire de signer, aujourd'hui c'est la journée internationale des droits de l'homme. Donc aujourd'hui ou jamais. Je voulais aussi d'une manière spéciale vous remercier. Parfois, on pense que personne ne s'intéresse à nos propres misères, là.
Et que quand on voit des gens qui s'intéressent au Congo, quand on voit des gens qui viennent, prennent de leur temps pour venir écouter, cette pauvre demoiselle qui est ici, et disons, ça fait un effet en fait humain, ça fait beaucoup de bien et que c'est très motivant, ça me motive toujours de continuer parce qu'il y a des moments où on pense qu'on est peut-être en train de faire des erreurs dans la vie parce que personne ne te soutient et on a besoin parfois du soutien, on a besoin parfois de se faire valider et que bon, quand on voit que des gens viennent, pour moi ça me touche beaucoup, donc merci beaucoup d'être venu. Danke, danke.